So let's take one this summer. C'est bon. On y va. C'est bon. Même beau fleuve. Ah bon? Je vais passer les bâtisses. Voilà, les gars d'appuyer dans la radio, ils sont des personnes, ils sont là-bas, là, il est assis là. En direct. Mon frère, pardon, attrape mon direct ailleurs pour appeler quelqu'un d'autre. Mon frère, pardon. Non, non, on est stressé. Le gars, il me suit, pardon. Yann, attrape le direct là, rapidement, il vient, attrape ça. Attends, j'arrive tout de suite, Thank you.
Un peu comme c'est bon, c'est bon. Chers parents, la famille vous souhaite la bienvenue. Nous allons, comme il se doit, procéder aux échanges protocolaires. Moi, je suis le préfet Youssouf Traoré, je suis le porte-parole de la famille. La famille vous souhaite un accueil ici. Nous avons pu remarquer des sommités de l'art, de la musique. Mais je voudrais laisser le soin à votre porte-parole de nous donner des nouvelles. Je crois que c'est Son Excellence qui va prendre la parole. Son Excellence, M. Zachary, je voudrais donc, au nom de la famille, vous inviter à nous donner les nouvelles. Il y a pour la famille. Nous sommes
une délégation venue du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa. Nous sommes arrivés ce matin pour nous associer à la famille, à toute la Côte d'Ivoire, au gouvernement ivoirien, afin que nous puissions tous rendre un vivant hommage, un bel hommage à notre frère, notre fils, Didier Arafat. Ils sont venus dans la délégation du côté Brazzaville, Droga Droga de Extra Musica. Il y a sa parole de guerre. Chaque fois qu'il faisait des interviews, il disait je tire mon inspiration du Congo. Zabaro de guerre, qui est avec nous, Zabaro. Et il y a Sega, chanteur qui vient du Congo Brazzaville. Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus rapprochées, nous sommes face à face. Et le manager de tous ces artistes-là, M. Guibert, qui fait fidélité de délégation. Du côté de la RDC, nous avons Fanny Poupa, que nous, chez nous, que nous surnommons l'Ivoirien. Il s'appelle la raison qu'il est vraiment, il vit pratiquement ici, il est artiste et musicien. Il y a un autre artiste que DJ aimait bien citer, c'est Bill Clinton. Il est de la RDC, il est là avec nous, c'est Bill Clinton. Il y a un autre artiste. Un artiste qui, lui, qui est le répondant de DJ Arafat à l'RDC, vu le mouvement a pris d'ampleur dans toute l'Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une particularité, c'est que son histoire est aussi émouvante, parce que c'est un ancien soldat, enfant soldat. Il a été récupéré par Zé, lors des Républicains, pendant la rébellion. Il avait 11 ans et il a marché près de 2500 km à pied pour venir prendre la ville de Kinshasa. Et lors de la démobilisation, il a été adopté par une famille française. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait exactement la même chose. Il a fait une démonstration. Comme DJ Arafat, il est là, il est roman. Le roman est où? Voilà. Et là, il est marié français, il est à Paris, il est à cheval de Kinshasa. Ça, c'est du côté des artistes. Du côté des collaborateurs, celui qui vient chaque fois ici, Madame Manon. Madame Manon qui est manager de Fanny Poupa, qui est l'assistant de Fanny Poupa. Il y a un deuxième assistant, c'est Monsieur Souleymane, le directeur de production. Si moi vous levez un peu de temps en temps, si vous citez Madame Manon. Voilà. Madame Manon est arrivée ici de Paris pour revenir à tant d'artistes. Et Monsieur Evi Badiata, vous venez moi avec moi, peut-être ça ce matin. Il y a B52. Lui, c'est le garde du corps de Fanny, donc lui et Fanny vivent pratiquement ici à Abidjan. Ils sont les plus ivoiriens, les Kinshasa, comme nous les appelons. Et, pardon? Un grand ami à Arafat. Très grand, je les ai vus plusieurs fois, le Taliban. Et, bien entendu, il y a quelqu'un de la presse qui est là, c'est celui qui fait tout ce qui est musique urbaine. Ils ont désigné quelqu'un pour pouvoir faire partie de la délégation. Et bien entendu, nous avons aussi Kofi Olomide, qui s'est déplacé avec son épouse. Vous savez, le vol est parti à 5h du matin de Brazzaville pour qu'on vienne jusqu'ici. Il est resté à l'hôtel, il s'est rappelé le soir, il est là pour s'arrêter. Et voilà, bien entendu. J'ai oublié quelqu'un. Nous avons Jim Martin qui nous vient d'à côté. Lui vient de Nigeria, qui est arrivé ce matin. C'est un grand artiste aussi qui a fait le featuring avec DJ Arafat. Nous sommes venus parce que nous avons été choqués.
mele muta la kudile e kulu mele nga dilande e muta kata kaprande mana mokota e zata muna mokota la dodo jambi kilo e se tomo kamarado izo huli metiwe majareste viva mune kureli e kota la kone te di sete spi ye e tona mle kota kwe Glodidia Sika La Mignone La Mignone Tresim Belenga Pro Tresim Belenga Pro Kata Tic c'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 00336 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service.